Hier, on a fait un top 500 Sri avec Wes et compagnie en NA et on avait Sandping. Hein. On est dans le top 500. Ouais, c'est ça, moi j'avais Sandping aussi en NIR. Ah, t'as pas spawn Steamy. Qu'est-ce que t'avais vu pour pas spawn Steamy? C'est les deux mecs là-bas qui t'ont fait peur? Ah non, il y avait Massmonde. Il y avait 4 mecs au moins. Ok, j'ai rien dit. Du coup, tu te retrouves à partager. C'est des points de moyenne. Putain, la vache que tu lui as mis. C'est des points moyens, cause 100 points, c'est pas mal. C'est ni bien ni pas bien en fait, c'est points moyens. C'est bien que tu te commites pas sur la. Tu te commites pas sur la pote 50, c'est bien. Oh, il a dû te maudire le mec. Quoi le minimum pour un PC qui tourne bien sur Fortnite? Le minimum en prix? Kaizen? T'as ramené tout le stuff qu'il avait looté en plus, super cool. Bah je pense qu'il faut un PC au moins à 1000-1500 euros. En dessous ça marchera pas. Et il faut le faire construire toi-même pour être optimisé au maximum quoi. Donc tu touches ta zone. C'est une map, c'est une zone intéressante. Du coup tu veux que je regarde ta routine de loot ou pas? Ah mais on peut pas. Putain, c'est relou, en replay solo on peut pas quoi. Bon, j'ai que des mauvais retours de Shadow. De toute façon, là c'est une zone qui probablement va re-shrink au nord. Donc elle va rushing sur la partie supérieure vers toi. Ouais c'est ça, faut optimiser les composants avec ce scar. Il faut avoir quand même des bases sur ce que t'achètes quoi. Ou faut bien te renseigner sinon. Oh la vache, le sniper il fait du bien là. Lol. Ah tu joues pas sniper toi. Moi j'ai pas de problème de FPS en late game non plus, Thorak. J'ai un PC qui a 5 ans maintenant. Et c'est un PC portable en plus. Parce que vous voyez en stream, c'est un PC portable qui a 5 ans. Hein. Donc, dommage, en solo c'est assez fort le snipe pour le coup. Du coup tu fais quoi? Tu joues greu? Ou plus de heal peut-être? Cette rota tu l'as fait dans la game où tu t'étais fail le coup d'avant là, c'est une rota qui est plutôt pas mal. Hein. Pour ceux qui aiment bien les rotas tranquilles. Ouais, donc on savait qu'elle re-shrinkerait au nord. Bon là elle re-shrink carrément sur toi, c'est encore mieux. Faut que tu trouves une solution pour accéder au réacteur là pour essayer de reprendre la hauteur sur le mec qui est placé à. Eh bah visiblement il n'y a pas que toi qui est mauvais au snipe. Sans vouloir critiquer. Ça
Ça, c'est good. Ça, c'est un bon placement. Tu tiens. C'était un misclick, non? C'est un bug du replay? Ah, c'est un bug, ok. C'est ton IM bot qui a bugué. J'aimais bien ta pose sur le toit du bâtiment là, c'était cool. Ah mais le problème, Rax Oscar, c'est qu'avec cette composition là, dans 50 et à l'ouest. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand vous achetez un PC, à penser à l'avenir. Après tu me diras, 800 euros c'est quand même relativement correct. 800 euros pour une tour, si tu comptes pas l'écran 144 ça va. Salut Over, comment tu vas? Franchement, je pense que t'as pris la bonne pause. Pour le coup, c'est une pause que moi j'aurais joué aussi en solo. Je la trouve hyper intéressante. T'es à proximité des geysers, donc des flux d'air. T'es quand même relativement haut, t'as ma sphère, tu peux replace autant que tu veux. Je trouve que c'est une bonne pause. Celle-là, elle est smart. Tu vas te fatiguer, cause. Fatigué, fatigué. C'est normal, t'es coach. Si tu peux vocal, Over, tu peux venir en vocal avec moi si tu veux regarder les games avec moi. Y'a pas de soucis. Ah, c'est un coach Oise. Les coachs ont des priorités. Là, tu scoutes. Là, on rentre dans le timing. De toute façon, faut tirer, ça sert à rien. Prendre des infos, c'est bien. Par contre, tu scoutes comment? T'as pris le toit en edit là? T'es trop bas non? T'as pas mis de mur? C'est chelou. Ah t'as pris le toit, ok. C'est ça ouais, c'est ça. Ah, sur Twitter, bah bravo Pikis. Bel exemple de concentration. Allez, environ 15h pour me coacher une heure avant la cup. 15h, attends, qu'est-ce que je fais demain à 15h? Est-ce que je peux prendre une heure de coaching? Ok, passe par Snowball, du coup, Street, tu peux réserver le créneau de 15h, je te le valide. S'il te plaît. Ah bah alors lui ouais, lui il va être chiant, tu lui fais bien de te protéger. Après l'avantage que tu as sur ta position à toi c'est que tu es au centre de la zone, alors que lui non. Chance. Ouais, ça marche Over, t'inquiète. C'est pour ça que je te proposais, parce qu'on en avait parlé. En tout cas, t'as bien corrigé les défauts que t'avais de pas te protéger avant quand tu prenais des piques. Hein. Il y a 6-7 mois quand on avait fait un peu de coaching ensemble. Hein. C'est un défaut qui était revenu. Non, non, il est plus chez 99 Kaizen, ça a été annoncé.
Voilà, t'entends que t'as un mec pas très loin. C'est bien, tu le cherches. Ça va, t'as pas de hauteur à gauche. Un petit peu sanctionné sur ce coup-là. Ah non, avec ce Oscar, c'est comme si tu me demandais Nounours, c'est quel team en fait? C'est son pseudo over. C'est un peu dommage que t'aies perdu la bonne hauteur que t'avais là. C'est la roquette qui t'a mis dans le mal en fait. Ouais, la roquette elle t'a coûté cher. Hormis les points de vie, t'as coûté ta position. Tu touches la zone 50-50, ça c'est cool. T'étais protégé, tu vois, du coup, pas de problème. Je pense que globalement sur l'ensemble de la game c'est ta position mid-ground qui va te coûter parce que là tu te fais tu subis la game en fait. T'es là-bas sous la brique. Ouais, en fait t'as plus du tout le contrôle de la game en gros. Voir comment tu vas jouer l'extend. Ah, c'est bien, ça c'est hyper smart ce que tu fais. Tempo. Ça c'est bien, à l'ancienne t'as fait une faille. Par contre faut rester en l'air. Parce que du coup les gens ont plus forcément super l'habitude de regarder en l'air. Bah désolé, je suis habitué à regarder en x2 moi. T'aurais pu rester en l'air au maximum. Les gens sont plus habitués à regarder en l'air comme avant. Là, du coup, j'adore le call que t'as fait d'ailleurs de prendre le vent là, mais t'aurais resté en l'air, t'aurais gagné du temps, t'aurais même pu jouer ta top hauteur. Fin de dos tactique quoi. Il est un peu broken ton tactique, faudra le ramener chez le vendeur. Là tu fais une petite tempo avec le Poiscaille, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Oh, elle te l'a piqué.
Ah non, c'est bien, bien joué. Ça, c'est smart ce que t'as fait encore. C'était la game où tu fais que des trucs smart là. Ah, attends. Ah, c'est un chasseur. Je crois que c'était un espace. Ah, dommage. Bon, franchement, vu ce que t'as fait dans la game, c'est quasi un top 1. C'est super propre. Là, il n'y a même pas de truc à te dire. T'as essayé, c'est un 50-50. Le mec te tire dessus, il te met la balle, après c'est fini quoi. T'es derrière. Ouais, ta game est propre.